Bonsoir les Nuréens, soyez les bienvenus, je suis très très heureux de vous retrouver. Vous êtes sur Nuréa TV, je suis Guillaume, et c'est la rentrée live sur Nuréa TV. Et autant vous dire qu'un mois sans live à vos côtés les amis, ça nous a manqué, et je suis vraiment très très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission Disparition Mystérieuse, en compagnie de mon ami Lionel Camille. Avant ça, je vois que vous êtes super nombreux à vous être déjà connectés sur le chat, ça veut dire que vous aussi vous attendiez impatiemment la rentrée live sur Nuréa. On y est les amis, vraiment soyez les bienvenus. J'en profite pour vous donner, avant qu'on accueillions notre invité sur l'antenne, je vais vous donner quelques news de Nuréa TV, ce qui s'est passé pendant l'été, les derniers changements. Déjà, premier point, vu que j'ai l'œil sur le chat, je voulais saluer nos modos. Ce soir, c'est une équipe 100% masculine qui va modérer le chat YouTube de l'émission. Donc un gros bisou à Audric, à Togiro, à Mick. Et au petit nouveau, à Patrice, les mecs, vraiment un grand merci pour votre aide sur les directs. Et puis je fais aussi un gros bisou à Béa et à Marie qui ne sont pas là ce soir mais qui nous rejoindront très prochainement sur les prochains lives et sur la modération du chat Nuréa TV. Voilà, donc au niveau des dernières infos pour Nuréa TV, ce que je voulais vous dire, d'une part, c'est que oui, c'était les vacances pour tout le monde. J'espère d'ailleurs que vous en avez passé de bonnes pour celles et ceux qui ont eu la chance de partir et de voyager un peu. Sur Nuréa TV, ce qu'on a voulu faire cet été, c'est de ne pas faire de coupure. On a voulu proposer des émissions chaque semaine, parfois même plusieurs, de manière à ce que vous puissiez continuer à avoir une programmation régulière. Et puis, on a pensé aussi à toutes celles et ceux qui n'étaient pas forcément partis en vacances cet été. Et voilà, on voulait vous faire ce petit cadeau. Donc, je vous fais un petit partage d'écran, les amis, juste pour vous dire que sur le site Nuréa TV et sur la chaîne YouTube également, vous pourrez retrouver toutes les émissions qui se sont déroulées ces dernières semaines, vous voyez. Et dernièrement, il y a eu l'émission Le Diamant, La Malédiction du Diamant Hope avec Elisabeth de Caligny, plusieurs émissions sur les Crop Circles, dont un exemplaire du Comptoir des Mystères. On a eu aussi Thierry Bancel, Stéphanie Del Regno, Sylvain Matisse, une autre émission avec Elisabeth de Caligny. Vous voyez, le mois d'août, depuis le dernier conseil de classe fin juillet sur Nuréa TV, a été chargé. Et si vous rentrez de vacances, je pense que vous avez pas mal d'émissions à rattraper. Autre chose que je voulais vous montrer, parce qu'on n'a pas chômé, enfin vous montrer, pas vraiment vous montrer, mais vous dire en tout cas, c'est que cet été, on avait lancé un appel avant l'été pour expliquer qu'on avait besoin d'investir dans un nouveau logiciel qui nous permettrait de faire des streamings en live de meilleure qualité et en espérant, croisant les doigts, que les soucis techniques soient derrière nous. Nous avons cet été acheté ce fameux logiciel. On a passé quelques heures, voire un paquet d'heures dessus pour apprendre à le maîtriser et à régler tous les paramètres. Je voulais dire un grand merci à notre ami Ben aussi qui nous a formés sur le logiciel. Et puis surtout vous dire un grand merci à vous les Nuréens parce que vous êtes nombreux à avoir souhaité participer financièrement à l'achat de ce logiciel. Et c'est grâce à vous que Nuréa TV peut améliorer sa qualité de diffusion. Donc on vous dit un immense merci. Et j'espère que le logiciel que nous testons en live pour la première fois ce soir, nous apportera à tous satisfaction. Encore une fois, on croise les doigts, même les doigts de pied, je croise tout. Et puis, dernière actu que je voulais partager avec vous, les avis, et là, je retourne sur le site Nuréa TV. Cette actu, elle concerne la boutique qu'on vous avait annoncée, ExoShop, que nous avons ouvert juste avant l'été. C'est cette boutique-là. Et pour vous dire que là aussi, on a travaillé d'arrache-pied tout l'été pour améliorer cette boutique, pour vous proposer plus d'articles, en espérant vous proposer des choses qui vous fassent plaisir et qui vous fassent envie. Et donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller faire un petit tour sur la boutique ExoShop. Le site internet, c'est www.exoshop.fr. Et sinon, vous passez directement sur le site Nuréa TV. Vous voyez, vous cliquez ici, par exemple, ou un petit peu plus bas, juste ici. Hop, et vous atterrissez sur la boutique ExoShop. Donc pour l'instant, ce qu'on fabrique, puisque tous les articles qui sont dans cette boutique sont confectionnés par nos petites mains, à Nora, à Newton et à moi. Plume et Pookie mettent aussi la main à la pâte de temps à autre. Donc vous pourrez retrouver des badges en petit format, des badges un petit peu plus grands. Voilà, je vous fais un petit déroulé d'écran pour que vous puissiez voir à peu près tous les contenus. Il y a quand même énormément de choix sur les badges. Vous pourrez retrouver également des porte-clés, là aussi, confectionnés par nos petites mains, sur des thématiques bien évidemment que nous abondons sur Nuréa TV, et je pense qu'il y a des thématiques qui vous sont chères à vous aussi, les Nuréens. Et puis enfin, vous pourrez aussi trouver des magnettes. Ça fait toujours plaisir d'avoir un crop circle, un ovni ou je ne sais quoi d'autre sur le frigo, ou par exemple une belle photo de Stone Age. Donc vous pouvez retrouver des planches de magnettes, et enfin, une petite nouveauté,
Vous pourrez également vous procurer dans la boutique ExoShop des kits de divination. Alors on propose pour l'instant des kits sur la base du système runique. Vous avez plusieurs choix et puis aussi des kits de divination avec les nombres. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai juste une chose à vous dire. Soyez curieux pour celles et ceux que ça intéresse et n'hésitez pas à aller faire un saut dans la boutique ExoShop. Ceci étant dit les amis, je lis vos commentaires, il y a Arnaud qui est là, qui nous dit « Salut tout le monde, très heureux d'être présent avec vous ce soir ». Bah écoute, bonheur partagé. Il y a Petit John qui nous dit ah, « Salut à tous les anciens modos et au petit nouveau Lyonceau ». Et oui, Patrice Lyon, le petit nouveau, le bleu dans l'équipe de modération, et on est vraiment très très heureux de le compter parmi nous. Et enfin Corinne qui nous dit « Je suis contente de regarder en live une de vos émissions, merci Guillaume et Nora de traiter différents sujets qui sont très intéressants et passionnants ». Et allez, un dernier live, Bibi qui nous dit « Prêt pour cette excellente soirée en compagnie de Guillaume et bien entendu de Lionel Camille que nous accueillons tout de suite sur l'antenne de Nuria TV. » Salut Lionel, sois le bienvenu, j'ai envie de dire chez toi. Salut mon cher Guillaume, bonsoir aux spectateurs et aux spectatrices. Je suis très heureux de vous retrouver. Bah écoute, là aussi, plaisir partagé. Comme je te l'ai dit hors antenne, je suis vraiment très très heureux de démarrer cette nouvelle rentrée Nuria TV à tes côtés. Démarrer l'année sur une émission Disparition mystérieuse, ça ne peut que porter chance à Nuria TV. Et ce soir en plus, tu nous as préparé un dossier, pas qui sort de ce que tu fais d'habitude, parce qu'on va rester dans le cadre des disparitions mystérieuses, mais là on va voyager un petit peu dans un pays et une culture qu'on ne connaît que trop peu en France. Effectivement, parce que en fait c'est ça, les gens disparaissent partout dans le monde, c'est un phénomène mondial, enfin planétaire. Peu de pays sont épargnés. Et donc pourquoi le Japon? Parce que ce pays me fascine, comme beaucoup de gens. C'est un pays que je trouve assez mystérieux. Il y a un mélange à la fois de tradition et de modernité. C'est une culture totalement différente de la nôtre. Voilà, donc je vais vous raconter ce soir plusieurs affaires, plusieurs histoires de disparitions mystérieuses qui se sont déroulées au Japon ces 30 dernières années. Des affaires totalement inconnues en France, pour la plupart, parce qu'en fait, elles concernaient des Japonais et des Japonaises. Elles n'ont pas du tout été médiatisées chez nous. Effectivement, tout ce qui a trait au Japon, on a très très peu d'infos qui arrivent jusqu'à la France. Comme je disais, une culture qu'on connaît très peu, des actualités, à part quand une centrale nucléaire explose à l'autre bout du monde, mais sinon on a très très peu d'infos sur ce qui se passe dans cette société japonaise. Donc bah écoute, je te laisse la parole et on démarre ce soir sur cette émission Disparition mystérieuse spéciale Pays du Soleil Levant. À toi mon cher Lionel. Donc c'est parti, on va partir pour leur première affaire, donc à 10 000 km de la France. Donc, on va partir à Tokushima. C'est une ville qui est située sur l'île de Shikoku. Donc, ça n'est pas un gros mot. C'est le nom de l'une des plus grandes îles qui composent le Japon. Donc, vous allez voir ça sur la carte. Donc, Tokushima, c'est une ville côtière de 263 000 habitants. Bah, c'est plutôt une petite ville, en fait, pour le Japon, hein. Qui est un pays très peuplé. Donc, on va remonter dans le temps. On va remonter en 1989. Va remonter au mardi 7 mars 1989. Voilà. Alors, ce jour-là, donc la famille Matsuoka fait une promenade en ville. Voilà. Donc, monsieur et madame Matsuoka ont deux enfants. Ils ont une fille en bas âge et aussi un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Shinya. Là, ce jour-là, tout le monde paraît de bonne humeur. C'est une balade familiale, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, les parents, ils reviennent à leur domicile parce qu'ils veulent ramener leur fille, donc la plus jeune, à la maison pour la coucher parce qu'elle est fatiguée. Bon, ils en ont juste que pour quelques secondes, en fait. Donc, ils laissent leur fils, Shinya, devant la porte, à l'extérieur. Il pénètre avec sa petite sœur dans la maison. Donc, il reste pas longtemps, hein. Juste 40 secondes. Mais lorsqu'ils ressortent 40 secondes plus tard dans la rue, Shinya n'est plus là. Donc là, premier réflexe, les parents sont très étonnés. Ils l'ont vraiment laissé très peu de temps. Ils se disent qu'il s'est peut-être éloigné, qu'il est peut-être parti dans la rue, seul. Donc ils se mettent à le chercher. Ils l'appellent. Malheureusement, le petit garçon n'est nulle part en vue, dans le quartier. Il n'est pas là. Donc là, les Matsuoka, les parents commencent à paniquer. Et ils appellent la police. Tu vois, la police est assez réactive. Les forces de l'ordre arrivent. Et bien entendu, ils commencent à fouiller le secteur. Ils passent le quartier au peigne fin, mais l'enfant reste introuvable.
Donc là, en fait, ils vont étendre leurs recherches partout dans toute la ville, sans plus de succès. L'enfant, vraiment, s'est évaporé, on ne le trouve nulle part. Donc là, la police aussi mène une enquête sur cette disparition, qui est quand même inquiétante. Parce qu'un enfant de 4 ans qui disparaît, bon, c'est pas non plus anodin. Malheureusement, les investigations ne donneront rien, les policiers ne trouveront aucun indice, aucun témoin, rien. C'est vraiment le mystère total. Et autant vous dire tout de suite qu'on n'a malheureusement jamais revu Shinya Matsuoka. Donc 30 ans après les faits, donc aujourd'hui encore, on ignore toujours ce qu'il est devenu. Sa disparition est restée non élucidée. Il s'est volatilisé en 40 secondes. Alors attends Lionel, je t'arrête deux petites Oui. secondes. On est en train de me dire sur le chat que le son n'est pas bon. Et je comprends pas parce que le son, on l'a testé juste avant l'émission. Il y a certains auditeurs qui nous disent le son est top et d'autres qui nous disent le son, on entend un écouteur sur un côté sur deux. Et je sais pas trop vraiment d'où peut venir ce problème parce que de mon côté, tout est ok. Alors, ma technicienne Nora me dit qu'il y a un petit souci, que le son est un peu sourd. C'est pas pourtant le ressenti que j'ai. Est-ce que toi, tu peux baisser un petit peu ton micro ou le reculer un petit peu? Le reculer. Là, je recule. Bah C'est écoute, on mieux. va. Après, il y a plein de gens qui me disent le son est bon. Ça y est, ça marche, sont bons pour moi. Moi, j'ai réglé un truc, apparemment, il y avait un problème de mono stéréo. J'ai essayé de régler ça sur le fameux logiciel, les amis, que je vous ai dit qu'on a bossé des heures cet été dessus. J'ai rajouté la stéréo normalement. Je pense qu'on va pouvoir continuer comme ça. Et puis, s'il y a un souci, je te le dirai, Lionel. Excuse-moi, je t'ai coupé en plein Non mais je t'en milieu. prie, je t'en prie. Hein. S'il y a un Donc, problème, tu oui, me fais savoir. pas de souci. On repart sur l'histoire de Shinya Matsuoka et Alors. je repars sur. Écoute, je te redonne la parole et je te suis. En fait, tu m'as pas vraiment interrompu parce que là, je viens de vous présenter les faits concernant le petit Shinya Matsuoka, des faits qui sont assez synthétiques. Il y a peu d'informations qui circulent sur cette affaire, mais je vais quand même maintenant vous faire quelques commentaires. Donc, cet enfant a disparu en 40 secondes. 40 secondes, c'est quand même un délai très très court. Alors, je vais commencer par rappeler que c'est vrai que les disparitions d'enfants, ce sont les plus horribles qui soient, selon moi. Pour être sincère, j'aime pas trop aborder ces affaires parce qu'elles me révoltent vraiment au plus haut point. Donc, pour revenir au cas de Shinya Matsuoka, bien sûr, c'est plus facile à dire après, mais je pense qu'il ne faut jamais laisser seul un enfant en bas âge, comme ça, dehors dans la rue, même 30 secondes. Je veux dire, en tout cas, pas hors de vue. Même si c'est vrai que si vous faites ça 100 fois, il se passera sûrement jamais rien, mais bon, malheureusement, il suffit d'une seule fois et après, vous avez des remords pour le restant de votre vie. Voilà. Alors, il faut quand même apporter une explication sociologique. Il faut se replacer dans le contexte culturel, surtout avec le Japon, qui est une société qui fonctionne d'une manière radicalement différente de la nôtre. D'après ce que j'ai pu comprendre, au Japon, les parents ont tendance à responsabiliser et autonomiser les enfants plus jeunes qu'en France, pour citer l'exemple de notre pays. En gros, on n'élève pas les enfants de la même façon. Donc voilà, évitons de juger ces gens. Alors, en ce qui me concerne, par contre, c'est sûr que j'éviterai de laisser un enfant de 4 ans seul, dehors, sur le trottoir, même 30 secondes. Parce que déjà, il peut partir, hein, traverser la rue, se faire renverser par une voiture. Donc, dans le cas, présent, on peut écarter cette hypothèse pour Chinia, parce que ses parents auraient sûrement entendu un bruit, des témoins auraient entendu quelque chose, vu quelque chose. Dans l'hypothèse où Chinia serait parti seul, par ses propres moyens, sachant que ses parents ont commencé à le chercher 40 secondes après, l'avoir laissé tout seul à l'extérieur, théoriquement, ils auraient dû le rattraper assez vite. Hein. Ils l'auraient trouvé en train de errer, divaguer un peu plus loin. Il ne serait pas allé très très loin. Donc, si l'on essaie de faire preuve de bon sens, il n'est sûrement pas parti de son plein gré. Il a probablement été kidnappé. Hein. C'est quand même étonnant parce que Tokushima, c'est pas un énorme centre urbain. C'est une petite ville hein, de province au Japon. Plutôt paisible. Et le Japon, c'est une société très sûre.
Ce pays connaît l'un des taux de criminalité les plus faibles des pays industrialisés. Pour plusieurs raisons, d'abord, il y a un contrôle social très très fort, parce qu'au Japon, le groupe l'emporte sur l'individu. Les gens sont autodisciplinés, plus qu'en France. Et il existe une législation, il y a une législation très stricte en matière de sécurité. La loi est assez dure là-bas. Donc voilà. Bon, on peut malgré tout pas écarter l'hypothèse d'un enlèvement. Shinya a pu être kidnappé. Mais par qui? Comment? Si un inconnu avait attrapé l'enfant, il aurait sûrement crié, hein. Ses parents auraient peut-être entendu quelque chose. Donc cette affaire, à l'époque, a suscité beaucoup de débats au Japon. Et ça va vous paraître surprenant, mais certains ont avancé l'idée que l'enfant aurait pu être enlevé par des espions de Corée du Nord. Donc je vais faire maintenant une petite parenthèse sur la Corée du Nord. On va faire un peu de géopolitique. Il faut savoir que donc dans cette région, dans cette zone de l'Asie, il existe depuis longtemps des fortes tensions entre les pays. Pourquoi? Parce que ce sont des pays très peuplés, très proches les uns des autres. Et pour ne rien arranger, c'est vrai qu'il y a eu aussi l'époque de la guerre froide. À cette époque, les États-Unis et l'ex-URSS se sont affrontés de manière indirecte dans cette région. On a eu la guerre de Corée dans les années 50, on a eu la guerre du Vietnam à la fin des années 60. Des conflits qui ont été très très sanglants. Très sanglants. Il y a eu des millions de morts de réfugiés. Voilà. Ces conflits qui ont été menés pour des mauvaises raisons, je veux dire. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre émission. Donc pour revenir à notre dossier, donc les relations restent compliquées aujourd'hui entre le Japon et la Corée du Nord. Ce sont deux nations à la personnalité assez forte, à la base déjà. C'est vrai que la Corée du Nord s'est souvent présentée chez nous comme un régime communiste totalitaire, voilà, une dictature. On entend souvent parler de Kim Jong-un, le célèbre dirigeant nord-coréen, qui fait régulièrement parler de lui dans les journaux. Quand il ne fait pas péter des bombes nucléaires pour les tester, il fait décoller des missiles balistiques. Alors je tiens à rassurer les spectateurs, je ne pense pas qu'il va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Non. Je ne pense pas. Je peux me tromper, bien sûr, hein, mais. Bah, j'espère que tu te trompes, oui. À mon avis, il y a beaucoup de bluff là-dedans, c'est de la stratégie, quoi. Voilà. C'est de la géopolitique. Mais bon, Kim, il a son petit caractère quand même, hein. Parce que je peux raconter une anecdote, Guillaume? Ben, je t'en prie, fais. Kim, il a quand même fait assassiner son propre demi-frère, qui s'appelait Kim Jong-nam. Alors, je vais prendre une minute pour vous raconter ça parce que ça vaut le jus, j'ai envie de dire. On est là entre amis, hein. Voilà, moi j'ai tout mon temps. Donc, ça s'est passé en février 2017 à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc, Kim Jong-nam, le frère de l'autre, venait de prendre un vol. Il marchait tranquillement dans le terminal de l'aéroport. Il était au milieu de la foule. C'est assez banal quand on prend l'avion. Quand tout à coup, une charmante jeune femme s'approche de lui par derrière. Alors, on a toutes les images parce que ça a été enregistré par des caméras de vidéosurveillance. Et là, elle vient vers lui. On voit sur la photo, on voit la jeune femme qui porte un sweat-shirt blanc à manches longues. Vous voyez la photo normalement. Il est encerclé de jaune. Alors, elle vient près de lui. On ne sait pas trop ce qu'elle lui fait, mais bon, elle commence à le toucher apparemment. En tout cas, Kim, il se sent agressé. Hein, et tout de suite, il va voir les agents de sécurité pour se plaindre. Mais bien vite, il commence à se sentir mal et il a besoin de s'asseoir. Il s'assoit. Et malheureusement, il ne se relèvera jamais. Parce que il meurt dans ce qui ressemble à une crise cardiaque. Et en réalité, il a bien été victime d'un assassinat qui aurait été commandité par son frère, le dirigeant nord-coréen. Donc, pour la petite histoire, la belle inconnue, elle aurait utilisé une méthode originale hein, pour tuer Kim Jong-nam. Elle se serait servie de gaz VX. C'est un agent neurotoxique considéré comme la plus mortelle des armes chimiques. Tu vois, ils font pas les choses à moitié là-bas. Ah, c'est du efficace, oui. Le VX est classé arme de destruction massive. Bon, bref. En tout cas, ouais, elle aurait utilisé soit un spray ou par contact cutané. Voilà. En tout cas, on se croirait vraiment dans un scénario de film à James Bond. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est quand même assez original. Et le petit côté ironique, c'est que la tueuse, c'est une Vietnamienne nommée Doan Thinh Nguyen. Et elle portait un t-shirt LOL. Et ça, bon. La cerise sur le gâteau en termes d'assassinat politique, quoi.
Petite blague, effectivement, c'est une blague à mourir de rire, j'ai envie de dire. En fait, elle n'était pas seule, il y avait une équipe d'assassins avec elle. Voilà. Voilà, donc je referme la parenthèse. On va revenir aux relations entre la Corée du Nord et le Japon, donc qui sont assez tendues, parce qu'en plus, le Japon, il est clairement sous influence américaine. Voilà, il y a des bases américaines au Japon. Alors, on revient à nos disparitions. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement japonais a affirmé officiellement qu'au moins 17 ressortissants japonais auraient été kidnappés par le régime de Pyongyang, donc la Corée du Nord. Vous allez voir les photos. Donc pour certains, c'est une estimation basse. Il y aurait beaucoup plus d'enlèvements. Alors pourquoi ces enlèvements? Si ça, vous devez vous demander pourquoi, parce qu'ils enlèveraient des Japonais. Eh bien, tout simplement parce que ces personnes seraient peut-être forcées à travailler pour former des espions nord-coréens, leur renseigner la langue japonaise, vous voyez? Voilà, fabriquer des taupes peut-être pour le futur. Voilà. Donc voilà, pourquoi pas, ça se tient. Est-ce que Shinya Matsuoka, qui n'avait que 4 ans, donc le petit garçon, aurait pu faire l'objet d'un kidnapping par les Coréens, par les Nord-Coréens? Pas sûr. Hein. Moi, j'en suis pas sûr parce que les 17 personnes qui ont été enlevées dans la liste officielle étaient beaucoup plus âgées. Hein. Elles avaient au moins la vingtaine, à part Megumi Yokota, une jeune fille qui n'avait que 14 ans. Donc voilà, moi j'en doute quand même qu'ils enlèvent un enfant si jeune. Ça me semble vraiment un peu tiré par les cheveux. Donc avant de poursuivre, c'est vrai que c'est assez curieux parce que ces enlèvements de citoyens organisés par des États, ça a l'air d'être un peu une spécialité locale hein, en Asie. Parce que la Corée du Nord, elle accuse la Corée du Sud d'avoir enlevé des citoyennes nord-coréennes aussi. Tu vois, vous allez voir la photo. Bref, on dirait que là-bas, tout le monde enlève tout le monde, quoi. on s'en sort pas. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. En tout cas, c'est intéressant. Voilà. Donc, cette théorie de l'enlèvement par la Corée du Nord, elle a beaucoup de partisans. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je pense qu'il y a probablement une surestimation du nombre de personnes enlevées par les Nord-Coréens. C'est incontestablement arrivé, mais je me demande s'il n'y a pas une forme de psychose aussi chez les Japonais. Tu vois, du genre, dès que quelqu'un disparaît, ben voilà, c'est un coup des Nord-Coréens, tu vois. Ça me semble un peu facile. Voilà. À mon avis, si Shinya, le petit garçon, a fait l'objet d'enlèvement, il n'a pas été prémédité, il a été commis de manière opportuniste. Je pense que c'est vrai que personne ne pouvait savoir que ses parents laisseraient leur fils seul devant chez lui pendant 40 secondes. Quelle était la probabilité qu'un couple en mal d'enfant passe dans la rue à ce moment-là, ou qu'un pédophile passe à ce moment-là, lorsque l'enfant était seul? Et puis c'était sacrément risqué de l'embarquer quand même, hein. Mais ça n'était pas impossible. En tout cas, voilà, 30 ans après les faits, l'enquête concernant la disparition de Shinya est restée dans l'impasse. Mais il y a quand même eu un rebondissement en 2014. Il y a eu un fait divers en 2014. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Un jeune homme qui s'appelait, enfin qui s'appelle Ryuto Wada était retenu prisonnier en fait depuis 17 ans chez son oncle. Et ce Wada a réussi à s'évader. Il a réussi à s'échapper. Et donc il est allé voir les autorités, la police. Et certains observateurs ont trouvé qu'il présentait une certaine ressemblance avec Shinya Matsuoka. Donc à l'époque, certains pensent qu'effectivement, on a peut-être retrouvé l'enfant disparu en 89. Et Ruito Wada, il conteste pas, lui. Hein. Je veux dire, il déclare qu'effectivement, bah, c'est peut-être lui, Shinya. Le petit problème, c'est que, en fait, Ruito, il n'a plus du tout aucun souvenir de son enfance, de sa petite enfance, parce qu'il souffre d'amnésie. Il est amnésique. Donc, bien entendu, la police va demander à ce qu'on réalise des tests ADN. Hein, et lorsque les résultats vont tomber, ça va être la déception, parce qu'ils ne seront pas concluants. On n'a pas de confirmation ADN. Et c'est pas fini. Vu que Shinya Matsuoka était né en 1984, il avait théoriquement 30 ans en 2014. Et Ruito Wada, le jeune homme qui a réapparu en 2004, lui, il n'avait que 25 ans. 25 ans. Donc 5 ans de moins. Donc ça colle pas. Ça colle pas. Ruito Wada était très certainement un imposteur. Il a possiblement tenté d'usurper l'identité de l'enfant disparu. Et ça me fait d'ailleurs penser à un Français qui a été célèbre, entre guillemets, pour ce genre d'action, il y a une quinzaine d'années.
Frédéric Bourdin. Il était considéré à l'époque comme le plus grand usurpateur d'identité au monde. Comme quoi, en France, on bat des records. Voilà. Et il était tellement doué qu'il était surnommé le caméléon. Donc vous allez voir, vous voyez sûrement des photos, des images de lui. Il avait un don pour changer d'apparence et il réussissait même à modifier sa voix. Il réussissait à se faire passer pour un mineur. Alors, pourquoi est-ce que je parle de lui aussi? C'est parce qu'il endossait l'identité d'enfant disparu. Il se faisait passer pour eux auprès des familles. Et il a été impliqué dans plusieurs affaires médiatisées, donc une au Texas, aux États-Unis, et d'autres en France. En 2004, donc Frédéric Bourdin, il s'est finalement fait arrêter à Grenoble. Il avait 29 ans à l'époque. Parce qu'il a tenté d'usurper l'identité de Léo Ballet. Petit Léo Ballet, c'est un enfant qui avait disparu dans le massif du Taillefer, dans l'Isère, en 1996, lorsqu'il avait 6 ans. Une affaire assez révoltante encore. C'est un peu l'équivalent de Denis Martin, tu sais. Voilà. Une affaire qui s'était passée aux États-Unis, dont on avait parlé La lors de ma première première émission. émission que tu as faite sur Nuria Première TV. émission, là, c'est un peu l'équivalent en France, tu vois. Et le petit Léo, il a vraiment disparu en pleine nature, hein. Au bord du lac Fourchu, en Isère, à 2000 mètres d'altitude. Très bel endroit d'ailleurs, soit dit en passant. Donc je vous raconte vite fait comment ça s'était passé. Le petit garçon campait avec son père et des amis, trois amis. Donc c'était le 19 juillet 1996, vers 17h30. Donc le groupe était allé chercher de l'eau à une cascade située à environ 1 km du campement. Et donc Léo avait accompagné les adultes à un moment. Et puis comme il était fatigué, il avait fait demi-tour pour revenir au sol, au campement. Et on ne l'avait plus jamais revu par la suite. Il s'était littéralement évaporé sur le sentier. Cette affaire, ça me fait beaucoup penser à certaines affaires de disparition dans les parcs nationaux aux États-Unis, par exemple. Hein. Tu sais, les gens, ils ont un petit trajet à faire sur un sentier, et puis on les revoit jamais, quoi. Alors, je vois qu'on a un petit souci de connexion. Ça y est, nous avons retrouvé Lionel. Lionel, est-ce que tu m'entends? Je suis là, je n'ai pas disparu. Ah ben, il y a eu une toute petite coupure de 3-4 secondes, donc bah écoute, on peut repartir. Donc on était sur le cas de Oui. Léo disparu près du lac Fourchu. Ah, décidément, il y a du suspense dans cette émission, hein. Ah ben écoute, nouveau logiciel, mais pourtant la technique nous poursuit. Bon là, c'était une mini coupure, on n'en fera pas cas. Je te laisse poursuivre. Alors, pour revenir à Frédéric Bourdin, donc, le caméléon, celui qu'on surnommait le caméléon, donc. Il a été condamné à la prison suite à cette affaire, Léo Ballet. Mais il a payé sa dette à la société. Voilà. Et même ce qu'il a fait est mal, voilà, c'est pas bien de donner de faux espoirs aux familles. Je trouve le personnage intéressant, moi, parce qu'il n'a jamais agi par appât du gain. Pour faire simple, il ne cherchait pas à soutirer de l'argent aux parents. Mais il avait besoin d'amour, en fait, C'est ça. d'affection, parce qu'il avait connu une enfance difficile. Et c'est vrai que c'est assez touchant, quelque part. Voilà. En tout cas, Frédéric Bourdin, c'est devenu quelqu'un de très bien, tout à fait respectable maintenant, je tiens à le dire. Voilà. Ceci Et est dit. pour la petite histoire, il avait quand même un don extraordinaire pour se glisser dans la peau des autres personnes. De 1990 à 2005, il aurait endossé 500 identités fictives différentes. Ah, quand même. Un truc de fou. Oui, c'est un Et il a. personnage hors norme. Et il a un QI de 139, au-dessus de la moyenne. Parce que la moyenne, c'est 200 en France. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Ruito Wada était sûrement lui aussi un imposteur. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'affaire Shinya Matsuoka, qui est quand même un cold case assez connu au Japon aujourd'hui. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième affaire de disparition mystérieuse. Une affaire plus récente. Bois, je t'en prie, Lionel. Ça n'a pas coupé là, c'est bon? Eh ben non, ça aurait été mieux que ça coupe pendant que tu bois, non? Ben, je rappelle les amis que Lionel Camille est aussi un être humain, que nous sommes en plein mois d'août et qu'il faut s'hydrater. C'est gentil de le rappeler. Allez, si tu veux Alors bien, maintenant, on passe sur le deuxième cas de disparition mystérieuse au Japon. tout à fait. Alors, on va parler de l'affaire des Yamagami.
Donc tout a commencé dans la petite ville de Sera, près d'Hiroshima, au Japon, bien entendu, sur l'île de Honshu. Tout a démarré le 4 juin 2001. Donc ce jour-là, une femme de 52 ans qui s'appelle Junko Yamagami ne se présente pas à une réunion de travail. C'est étonnant parce que c'est quelqu'un de très sérieux, de très ponctuel d'habitude, et là, elle n'a prévenu personne. Bon, c'est pas si grave, sauf que le même jour, elle ne se présente pas à l'aéroport non plus, parce que en fait, elle devait prendre un vol pour la ville de Dalian, en Chine, dans le cadre d'un voyage d'affaires, hein, voyage professionnel, déplacement professionnel. Là, elle n'est pas au travail, elle n'est pas à l'aéroport, donc là, ça commence à faire beaucoup, hein. Donc, une collègue de Junko se rend à son domicile. Elle va donc chez les Yamagami. Junko vit avec son mari, qui s'appelle Masahiro, et sa belle-mère, Saebus. Mais il n'y a personne, il n'y a personne chez eux. En fait, il n'y a pas âme qui vit dans la maison, c'est le silence total. Et même le chien de la famille, lui-même, qui s'appelle Léo, est introuvable. Donc, je vous ai mis une photo du chien. Le dossier soit tout à fait complet. Voilà. Donc là, la collègue est vraiment interloquée parce que personne n'est là et elle remarque aussi que la voiture de la famille n'est pas dans l'allée. Vous allez voir une photo de cette voiture. Une voiture blanche. Donc, bah, se dit bah, peut-être que Junko et ses proches sont partis avec. Là, la collègue de Junko, elle a le sentiment qu'il se passe vraiment quelque chose d'anormal et donc elle prévient la police. Donc quand les enquêteurs arrivent sur place, bah ils font des constatations et ils constatent qu'il n'y a aucun signe d'effraction. Voilà. Personne n'a forcé la porte d'entrée pour rentrer. À l'intérieur de la maison, il n'y a aucun désordre, aucune trace de lutte. Tout paraît normal. Et bah les enquêteurs, ils notent tout de même des petits détails étranges. Déjà, la porte de derrière n'est pas verrouillée. Et surtout, la lumière est restée allumée dans la cuisine. Et ce qui est bizarre, c'est que bah, le petit déjeuner est préparé, voilà, comme si la vie s'est interrompue comme ça, brutalement. Donc là, les policiers continuent de fouiller dans la maison et ils vont trouver des indices troublants. Ils vont trouver le bagage de Junko avec son passeport et 150 000 yens en espèces. Et visiblement, c'est les affaires qu'elle comptait emporter pour son voyage d'affaires en Chine. Donc, elle avait bien préparé toutes ses affaires et pour une raison inconnue, elle a changé ses plans à la dernière minute. Il s'est passé quelque chose, quoi. Donc là, bah, les enquêteurs ils vont procéder à une fouille approfondie de la maison et là, ils vont se rendre compte que les seules choses qui manquent, ce sont les sandales et les pyjamas des membres de la famille. Fait, c'est comme s'ils étaient partis juste avec leurs vêtements de nuit et leurs sandales. Parce que les chaussures de ville, elles sont toujours rangées hein, à l'entrée du domicile. Parce que c'est vrai qu'au Japon, les gens se déchaussent à l'entrée. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Et voilà, donc là, y a, vu les affaires qui manquent, bah, les policiers se disent c'est pas possible, quoi. Ils sont pas partis à 2 minutes dans la nuit comme ça. Où est-ce qu'ils sont partis? Donc au fur et à mesure des investigations, bah, on apprend que Shi Yamagami, la fille du couple, qui avait 26 ans, elle devait venir dîner chez ses parents la veille au soir. Donc là, les policiers bah, ils tentent de contacter la jeune fille, la jeune femme, qui exerce la profession d'institutrice et qui vit seule dans un appartement pas très très loin de l'endroit où vivent ses parents. Seulement, ils n'arrivent pas à la joindre. Ils n'arrivent pas à la joindre, personne ne sait où elle est. Là, il faut se rendre à l'évidence, hein. Il semble que toute la famille Yamagami, 4 personnes et le chien, se soient évaporés durant la nuit. Très étrange. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'en fait, la voiture des Yamagami, elle était garée dans l'allée de la maison la veille au soir, mais qu'elle n'était plus là lorsque le livreur de journaux est passé à 4 h 30 du matin. Donc, tout laisse à penser donc, que toute la famille est partie en voiture durant la nuit, donc avant 4 h 30 du matin. Et personne n'est au courant, personne ne savait qu'il devait partir quelque part, quoi. C'était pas prévu, hein. Donc voilà, donc pendant un an,
les forces de police japonaises vont faire des recherches intensives dans la région, dans tout le pays. Force est de constater que la famille Yamagami s'est comme volatilisée, on n'a jamais rien retrouvé. Voilà. Donc cette affaire me rappelle énormément une autre, hein, qui s'est déroulée en France, en 1972. Cette affaire a été surnommée l'affaire des disparus de Boutier. Une famille entière, les Méchino, se sont volatilisés en voiture un soir de Noël, près de Cognac. Donc j'ai étudié cette affaire dans mon livre « Disparus en ville ». Je ne suis pas sûr de faire une émission un jour là-dessus parce qu'elle a été assez traitée déjà dans les médias. Moi, je préfère parler d'affaires inédites, hein, qui sont moins connues du grand public. Donc, je reviens à la famille Yamagami. Donc, plus d'un an va passer à ce moment-là, 15 mois. Et le 7 septembre 2002, il va y avoir un coup de théâtre. On va découvrir la voiture des Yamagami au fond d'un lac, proche de leur domicile. Et à l'intérieur de la voiture, il y a les corps des 4 membres de la famille, ou plutôt ce qu'il en reste. Hein. Ils sont quasiment réduits à l'état de squelette. Et on trouve Junko sur le siège passager à l'avant. Son mari, Masahiro, il est à la place du conducteur. C'est important, détail important. Leur fille, Shin, et la belle-mère sont sur la banquette arrière. Tout le monde est encore attaché avec sa ceinture de sécurité. On va même trouver le chien Léo dans la voiture. Donc là, que fait la police? Ben, ils remontent la carcasse, ils sortent la carcasse de l'eau, ils récupèrent les restes humains qui sont transférés ensuite à un centre médico-légal à des fins d'autopsie. Donc là, les médecins examinent les corps, mais ils ne parviennent pas à déterminer la cause de la mort. Parce que les corps sont trop dégradés, ils sont trop... Plus d'un an après, voilà, ils sont complètement décomposés, quoi. Hein. Donc, on présume que les Yamagami se sont tous noyés parce que... Apparemment, ils n'ont pas réussi à sortir de la voiture hein, quand elle est tombée dans le lac. Ils avaient leur ceinture de sécurité. Et apparemment, les Yamagami étaient bien habillés en pyjama. Même si leurs vêtements aussi étaient quand même assez abîmés après avoir séjourné autant de mois dans l'eau. Donc là, la carcasse de la voiture est expertisée et les spécialistes ne relèvent aucun impact sur la carrosserie. En clair, le véhicule n'a pas vraiment eu d'accident. Hein. Et dans l'habitacle, on ne relève rien d'anormal. Donc aujourd'hui encore, ce drame continue de hanter les esprits au Japon. On a beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi cette famille a-t-elle quitté son domicile en urgence, en pyjama, en pleine nuit, en emmenant juste le chien ? Pour quelles raisons les Yamagami n'ont-ils prévenu personne? Où comptaient-ils aller? Et dans quelles circonstances ont-ils perdu la vie dans le lac? Autant de questions restées sans réponse. Je vais essayer d'apporter un peu de lumière maintenant sur cette affaire, dans la partie commentaires. Donc on va commencer par dire que les disparitions de familles entières sont assez rares, heureusement, mais ça arrive. Ça arrive partout dans le monde. Donc maintenant, je vais avancer quelques hypothèses pour essayer d'expliquer ce mystère. Les Yamagami ont visiblement quitté leur maison en vitesse, en pleine nuit. Est-ce que c'était pour échapper à des agresseurs? C'est peut-être pour cette raison qu'ils étaient tous en pyjama. Ça me fait penser d'ailleurs à l'affaire des trois de Springfield, qui avaient quitté aussi leur... Ça a été mentionné dans les commentaires par des Nuriens, effectivement, qu'il y avait quelques similitudes avec cette affaire-là. Ils seraient partis précipitamment, ils auraient été poursuivis par des inconnus, et ils auraient eu un accident fatal, tu sais, sur la route. Le père de famille aurait pris des risques, et puis il serait tombé dans le lac. Mais bon, ça colle pas vraiment avec les constatations faites sur place. Hein. Dans la maison, il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace de sang. On a trouvé tout l'argent, aussi l'argent, les 150 000 yens en espèces que devait emporter Junko. Personne n'y a touché. C'est étonnant quand même. Et puis la famille n'avait pas d'ennemis connus. Qui pouvait bien s'en prendre à elle? Donc, la police a avancé une autre théorie. Hein. Donc, les autorités japonaises ont émis l'idée d'un suicide collectif. Il y en a eu plusieurs de tristes mémoires au Japon. La famille aurait décidé d'en finir avec la vie. Ils seraient partis tous ensemble, dans tous les sens du terme. Seulement les Yamagami
Et apparemment, ils menaient une vie sans histoire. Ils étaient rien indiqué qu'ils avaient des problèmes insurmontables. Apparemment, ils avaient quelques dettes d'argent, mais bon, presque comme tout le monde, hein. Mais rien de très grave. Donc, moi, en ce qui me concerne, il y a un scénario qui me semble plus plausible. Mon avis, c'est certainement Masahari Yamagami, le mari de Junko, qui a été l'élément déclencheur du drame. Alors, c'est une question de ressenti, hein. Mais je pense qu'il avait peut-être des gros problèmes, peut-être. Il avait peut-être des gros problèmes mentaux. S'il était profondément dépressif avec des idées suicidaires, il n'est pas impossible qu'il ait fait le choix de tuer toute sa famille, hein. C'est ce qu'on appelle un suicide altruiste. Bah, s'il supportait plus sa vie, il s'est peut-être dit que qu'il faisait ça pour leur bien aussi, hein. Il aurait fait le choix d'éliminer tout le monde en utilisant une manière radicale. Moi, je vois à peu près comment les choses ont pu se passer, hein. Tu sais, il a pu réveiller sa femme, sa belle-mère et sa fille en pleine nuit. Il a pu leur dire un truc du genre, tiens, venez, il faut qu'on parte d'ici tout de suite, je vous expliquerai plus tard. Donc, il aurait trouvé un prétexte, utilisé la ruse et aussi l'effet de surprise. Donc, à mon avis, je pense que tout le monde l'aurait suivi, hein, et serait grimpé dans la voiture. Voilà, ensuite, le père de famille il aurait précipité volontairement son véhicule dans le lac. Point barre. Fin de l'histoire. Parce que je pense que le problème est vraisemblablement venu de lui, parce que d'après leurs proches, Junko, c'était une femme tout à fait équilibrée. Leur fille, Shi, était elle aussi, c'était une jeune fille qui avait l'avenir devant elle. Hein, je veux dire, donc, à mon avis, le problème est certainement venu du mari. Voilà. Et je pense qu'ils sont certainement partis avant 4h30 du matin parce que la voiture n'était plus là lorsque le livreur de journaux est passé. Voilà. Donc voilà, c'était donc la deuxième affaire. La famille Yamagami. Oui, une étrange affaire. Alors, il y a Florent qui nous dit un suicide collectif en pyjama. Cela me paraît curieux quand même. Cela ne colle pas. Mais le rapport de la société japonaise à l'honneur et au suicide est quand même très particulier. Et nous, vu de France, même si chez nous aussi il y a des cas de suicide, on a quand même du mal à comprendre leur rapport à l'honneur. On connaît tous le fameux harakiri. C'est une sorte de tradition au Japon, le suicide. Il n'est pas vu comme dans nos sociétés européennes. Je vais parler de ça un peu plus tard. D'accord. Effectivement, l'honneur, c'est très important là-bas. Comme j'ai dit tout à l'heure, le groupe a une plus grande importance que l'individu là-bas. Et l'honneur, quand vous perdez la face là-bas, il n'y a rien de pire au Japon. Perdre la face au Japon, ça peut être perdre votre travail, perdre votre statut social. Voilà, et c'est vrai que beaucoup prennent cette décision radicale d'en finir. Mais d'autres décide de disparaître aussi. On en parlera tout à l'heure. Alors, ce qui est intriguant dans cette histoire, c'est l'aspect collectif, si on a affaire à un suicide, parce qu'effectivement, le père de famille peut avoir un problème de travail ou autre qui le pousse à se suicider. Là, on a affaire à toute une famille qui se suicide. La question que moi je me posais, c'est est-ce qu'on est dans une société aussi très patriarcale, où le poids du mari dans la famille, est-ce que finalement, on peut imaginer que le mari aurait réussi à les convaincre toutes les trois autres femmes de la famille de se suicider et de mettre fin à leurs jours avec lui, sans forcément les forcer physiquement, mais en disant voilà, aujourd'hui on met fin à nos jours et la famille suit parce que c'est le patriarche qui aurait parlé. Tout dépend de la personnalité de cet individu, parce que tu sais, il y a des individus qui ont une capacité d'emprise sur les autres, Bien qui ont une sûr. forte personnalité. C'est un peu les techniques des gourous, ça. Et on a vu d'ailleurs des suicides collectifs au Japon avec comme ça, avec des gourous. Moi, je ne privilégie pas cette hypothèse du suicide collectif. Je pense plutôt à l'homicide. Hein. Tu penses À que l'homicide. le père de Ah famille oui. aurait entraîné toute sa famille avec lui Je dans pense, la je mort? pense. Moi, c'est de la spéculation, hein, mais bon, moi je vois plutôt ça comme ça. Ouais. D'accord. Alors je vais prendre une autre hypothèse, à prendre avec humour, si on peut se permettre dans les pareilles circonstances. C'est Marcel qui nous dit, lui sa théorie c'est le chien a fait un malaise, toute la famille prend panique pour l'animal, part en trombe pour trouver une clinique vétérinaire, conduite trop rapide, sortie de route. Voilà l'histoire telle que la résume Marcel. C'est une hypothèse que je ne retiendrai pas. Je vais Pourquoi pas? plus m'accrocher à la tienne.
Même si, Je sais pas, ouais. même si Je sais. entre suicide prémédité par le père et du coup meurtre ou suicide collectif, j'ai beaucoup de mal à trancher pour ma part. Je suis pas sûr qu'il y avait des vétérinaires ouverts en pleine nuit là-bas. Hein. Mais je vais voir, parce que peut-être que dans cette société, les vétérinaires sont ouverts 24 heures sur 24. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Nous retiendrons qu'il y a une troisième théorie un peu plus tirée par les cheveux. Voilà. Eh bien, si tu veux bien, on va poursuivre, puisque ce soir, tu nous as promis trois cas de disparition mystérieuse au Japon. On en a vu deux premiers. Les deux qui vont suivre sont un petit peu plus mystérieux, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais te laisser nous présenter le troisième cas. Alors le troisième cas me plaît particulièrement parce que vous le savez bien, j'adore les disparitions dans la nature. Et voilà, vous allez comprendre donc pourquoi je me suis vraiment intéressé à cette affaire. Donc c'est l'affaire de la disparition de Yuki Onishi. Alors, cette affaire s'est déroulée dans la forêt de Koshikidei, dans la préfecture de Kagawa, sur l'île de Shikoku. Vous voyez ça, tout ça Shikoku. sur la carte. On revient sur Voilà. cette île de Shikoku. Voilà, dont on a parlé tout à l'heure. En fait, c'est cette forêt de Goshikidei. C'est juste, c'est pas très loin de Tokushima où avait disparu Shinya Matsuoka. C'était l'enfant de de la première histoire, le petit garçon. Voilà. Donc cette histoire, que je vais vous raconter maintenant, elle s'est passée le vendredi 29 avril 2005. Le 29 avril 2005. Donc le 29 avril, apparemment, c'est une fête nationale au Japon. Enfin, en tout cas, le 29 avril 2005, il y avait une fête nationale, c'était la journée de la verdure. Qu'apparemment, traditionnellement, les gens vont dans les forêts et puis ils vont cueillir des pousses de bambou. Voilà, c'est un peu la tradition. Et c'est exactement ce que font ce jour-là Madame Onishi et ses deux filles. Hein, la petite Yuki, qui a 5 ans, et sa sœur cadette. Voyez des photos de cette petite fille. Donc la famille Onishi, enfin, la maman, se rend dans la forêt de Koshikidei avec ses filles. Donc vous allez voir la carte, et puis aussi, donc vous voyez, c'est comme un endroit qui est quand même assez sauvage. Hein. On est vraiment une forêt qui est quand même assez grande. Et vous voyez des photos des lieux. Et en fait, Madame Onishi et ses filles ne s'enfoncent pas profondément dans les bois. Elles restent à proximité d'un étang, parce qu'il y a un étang là. Il y a un plan d'eau qui est assez proche du centre d'accueil des visiteurs. Voilà. Donc vous voyez des photos exactes de l'endroit. Et donc Madame Onishi et ses filles bah voilà, vont dans les allées. Il y a des allées là qui passent entre les bambous. Et elles sont pas seules hein, dans cet endroit, dans cette forêt. Il y a environ une soixantaine de personnes au même moment dans les environs. Donc c'est pas un endroit désert, hein. Ce sont essentiellement des familles, voilà, parce que c'est un public familial. Donc tout le monde vient cueillir des pousses de bambou. Enfin, c'est la tradition. Et ce jour-là, il fait un temps magnifique. Donc le ciel est clair, ensoleillé, voilà, toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. Donc maintenant, vous allez voir la tenue exacte que porte Yuki ce jour-là, parce qu'elle a été filmée. Les images que j'ai retrouvées, que j'ai réussi à trouver assez difficilement d'ailleurs, dans les médias japonais. Et donc, ouais, Yuki a fait comme sa maman et accueille des pousses de bambou. Et vers 13h30, ce jour-là, elle trouve sa première pousse de bambou. Et bah, elle est toute contente, hein, et elle la donne à sa mère. Elle est toute excitée. Puis elle repart. Elle va et vient. Et elle ne s'éloigne pas beaucoup, hein, une dizaine de mètres maximum. Et pendant ce temps-là, bah, la mère de Yuki bah, s'occupe de sa fille cadette, et puis voilà, elle reste dans le coin, quoi. Au bout de 15-20 minutes, Madame Onishi, elle s'étonne quand même de ne plus voir Yuki aux alentours. Donc, si vous voyez ce qu'elle est. Elle commence à l'appeler, elle appelle. Yuki, Yuki. Et il n'y a pas de réponse. Pas de réponse, et voilà, elle se met à la chercher dans la forêt. Mais c'est quand même une forêt, la forêt de bambou, c'est quand même des forêts assez impénétrables. Hein. Et malheureusement, la petite est introuvable. Donc là, sa mère interroge les gens dans les parages. Hein. Et ils se souviennent effectivement avoir vu Yuki hein, chercher des pousses de bambou. Mais bon, personne n'est capable de fournir plus de renseignements. Personne n'a vraiment fait attention, en fait. Donc là, Madame Onishi commence vraiment à s'inquiéter. Elle demande aux gens de l'aider à chercher sa fille. Hein.
Donc ils arpentent la forêt en criant le prénom de l'enfant, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Rien. Apparemment, c'est comme si Yuki s'était envolée. Donc là, quand même, Anamonichi appelle la police. Donc les forces de l'ordre débarquent en masse dans la forêt, hein, parce que quand il s'agit d'un enfant comme ça en bas âge, ils sont très réactifs, hein, et ils organisent une grosse opération de recherche. Vous allez voir des images. Alors, toutes les images que vous voyez, que vous allez voir, sont des images qui sont vraiment tirées de l'affaire, hein. Donc là, les policiers, les forces de l'ordre fouillent les allées, mais ils ne trouvent rien. Rien. Alors les policiers, voilà, japonais, ils font comme ailleurs, ils ont amené un chien renifleur. Voilà. Donc vous allez voir une photo de ce chien, c'est un berger allemand. Et effectivement, l'animal trouve l'odeur de l'enfant sur le sol. Et il part dans les bois, en direction de l'étang. Il a trouvé sa piste, hein, sur le sol, il suit, puis à un moment il s'arrête, et c'est terminé. Et le chien, il ne sait plus où aller. C'est la fin de la piste olfactive. Il a subitement perdu sa trace. Et là, vous allez voir l'endroit exact où il a perdu sa trace. Donc, sur la carte que vous voyez, donc la croix bleue, c'est le lieu où Yuki a été vu pour la dernière fois par sa mère. Et la croix rouge, c'est l'endroit où le chien a perdu la trace olfactive de l'enfant, pas très très loin de l'étang. Et c'est pas terminé parce que la police, elle va faire venir sur le site pas moins de 4 autres chiens renifleurs. Et à chaque fois, ça sera le même scénario. Les chiens, ils vont trouver l'odeur de l'enfant sur le sol. Ils vont suivre la piste olfactive. Ils vont tous s'arrêter au même endroit, exactement au même endroit. Mais ça n'a pas de sens parce que voilà, on est dans les bois, quoi, au milieu des bois, près de cet étang. Mais quand même dans les bois, quoi. C'est comme pas envolé dans le ciel. C'est bizarre cette peste olfactive qui s'arrête comme ça net. Donc, quand on regarde sur la carte, on voit bien qu'on est près de l'étang. Alors, bah, les policiers, ils essaient de raisonner logiquement. Ils se disent, bah, elle est peut-être tombée dans l'étang, même si la piste olfactive s'est arrêtée assez loin de la berge. Mais bon, donc ils vont fouiller les berges, ils vont même faire draguer l'étang, voilà, avec des plongeurs. Mais l'enfant n'est pas au fond. L'enfant a disparu. Donc, les recherches vont se poursuivre pendant plusieurs jours. Et pas moins de 3000 policiers vont sillonner la forêt. Malheureusement, ils ne trouveront pas une seule empreinte de la fillette. Pas un vêtement. Rien. En fait, Yuki a disparu sans laisser de traces. Elle s'est dématérialisée dans cette forêt, quasiment, hein. Donc là, à l'époque, l'affaire choque vraiment l'opinion publique au Japon. On en a beaucoup parlé. Et les autorités ont eu beau déployer de gros moyens pour retrouver Yuki, elles sont restées totalement impuissantes. On voyait à l'époque les policiers qui faisaient des communiqués de presse, ils ne savaient trop quoi dire, quoi, parce qu'ils étaient complètement perplexes, hein, face à cette disparition. Donc cette affaire, elle a été énormément médiatisée dans tout le pays. On a diffusé l'avis de recherche de l'enfant un peu partout, mais on n'a jamais réussi à la localiser. On ignore tout simplement ce qu'elle est devenue. Voilà. Véritable mystère. Donc maintenant, je vais vous apporter quelques commentaires sur cette affaire. De mon point de vue, il est difficile de croire que Yuki se soit perdue ou ait eu un accident mortel. Alors, je vais quand même citer un fait divers récent. En mai 2016, un enfant de 7 ans, qui s'appelle Yamato Tanuka, il a réussi à survivre 6 jours seul dans une forêt abritant des ours bruns. Donc cette affaire a fait du bruit aussi à l'époque. Alors je vous explique comment ça s'est passé. Le gamin était un petit peu infernal. En fait, il jetait des voitures, des cailloux sur les voitures qui passaient. Et bah, ses parents, ils ont voulu le punir. Et pour le punir, ils l'ont laissé seul au bord de la route. Ils étaient dans la forêt, en fait, sur l'île d'Hokkaido, au Japon. Et ils sont repartis. Méthode d'éducation un peu musclée. Bon, en fait, ils ont fait demi-tour au bout de 500 mètres quand même. 500 mètres plus loin, ils ont fait demi-tour pour revenir récupérer l'enfant, mais malheureusement, l'enfant n'était plus là. Donc là, la famille, ils ont alerté les secours. Ils l'ont cherché pendant 6 jours. Ils l'ont finalement retrouvé. Et l'enfant, il a réussi à survivre en buvant seulement de l'eau qu'il a trouvée dans un camp d'entraînement militaire vide dans la forêt. Et d'ailleurs, certains se sont un peu étonnés qu'il ait réussi à survivre en ne buvant que de l'eau. Certains, ça a étonné certains. Bon,
raison de penser le contraire, hein, qu'il y a autre chose derrière. Mais bon, le côté un peu touchant, c'est que son père, il lui a demandé pardon, en fait, après. Et puis l'enfant a accepté de le pardonner. Donc, pour cet enfant, l'histoire s'est bien terminée, mais je pense, enfin, ça n'a pas été le cas pour la petite Yuki, parce qu'elle n'a pas survécu. La preuve, on l'aurait retrouvée autrement, hein, je pense. Et je pense que même en cas de malheur, on aurait retrouvé sa dépouille dans les bois ou dans le lac. Je veux dire, il y a comme 3 000 policiers, on inspectait la région, hein. C'était une opération de recherche massive. 3 000 personnes. Je pense qu'il n'aurait pas loupé, c'est pas possible. Donc, bon, on va commencer, maintenant je vais avancer une explication qui pourrait paraître un peu farfelue, mais elle a été évoquée dans le dossier, elle a été évoquée. Juste Donc. avant, petite précision pour bien rappeler ce que tu as dit durant l'énoncé de ce dossier, Lionel. La trace des chiens, donc la trace olfactive de la petite Yuki, s'arrête avant les berges. Donc Ah les oui. chiens ne perdent pas la trace, perdent pas la trace de l'enfant au bord de l'eau, mais avant les berges. Donc, Ah oui, mais dans la forêt. ça semble Dans important la de le forêt, tu as vu, repréciser. J'ai bah vu quelques commentaires pour que les choses soient bien claires. oui. Rien ne Oui, laisse oui. penser qu'elle soit tombée dans l'eau. Même Non, s'ils ont non. bragué l'étang. Bah tu as bien vu la carte tout à l'heure. On Ah voyait ben, bien la croix rouge. je l'ai Elle vu est tout dans à les fait, bois. mais j'ai vu quelques commentaires D'accord, qui allaient dans le d'accord. sens. Donc, je Ouais. voulais repréciser pour que tout soit bien clair pour nos auditeurs. Tu fais bien. Tu fais bien. Mais je pense que les policiers ont bien fait aussi, parce que ça aurait été stupide de ne pas fouiller dans l'étang. Tout à fait. Parce que il y a quand même beaucoup de gens qui malheureusement décèdent dans les plans d'eau, hein. Les enfants, les. Donc ça aurait été une grosse erreur professionnelle de ne pas vérifier. Voilà. On a vu sur le dernier dossier que tu nous as présenté le cas Boiron. Toute disparition avec de l'eau aux Ah abords, ouais. on drague les étangs, on fouille les fonds, Quand des c'est gens classique. disparaissent à proximité d'un plan d'eau, bah les gens tout de suite, les policiers s'intéressent tout de suite à cet endroit. Voilà. C'est du bon sens. Voilà. Alors, donc je vais maintenant vous présenter une explication un peu farfelue, mais qui a été présentée dans le dossier. Alors, rappelez-vous que les chiens, les 5 chiens, quand même, pas un, 5, ils ont tous perdu l'odeur de l'enfant au même endroit, exactement au même endroit. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que l'odeur ait disparu subitement comme ça? C'est vrai. Quand on réfléchit, ça pourrait signifier que peut-être l'enfant a été soulevé du sol. Donc certains ont avancé l'idée que peut-être que la petite, elle aurait été attrapée par un aigle. Et bon, je pense que certains spectateurs ou spectatrices ont peut-être vu cette vidéo sur YouTube, là, où l'on voit un aigle qui emporte un bambin dans un jardin public de Montréal, au Canada. J'en profite pour saluer nos spectateurs et amis québécois, voilà, Oui. et québécoises. Alors, disons-le tout de suite, cette vidéo, c'est un fake. C'est une vidéo truquée. Donc, vous voyez une copie, un extrait de ça, une image tirée de cette vidéo, qui n'est pas trop mal faite, mais c'est un fake, voilà. Un vrai fake, j'ai envie de dire. Parce que maintenant, voilà, bref. Et donc, alors, il faut quand même préciser que je connaissais pas le poids exact de l'enfant. Mais à 5 ans, un enfant mesure en moyenne de 16 à 20 kilos. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Un enfant pèse en moyenne de 16 à 20 kilos D'accord, et mesure de 105 à 110 cm. Donc, tu vois, 16 à 20 kilos, c'est quand même. Est-ce qu'un aigle serait capable d'emporter une charge pareille? C'est pas sûr, pas sûr du tout, parce que même si des aigles sont tout à fait capables d'emporter des animaux de bonne taille, parce que tu sais je me suis renseigné, un aigle royal, il peut peser jusqu'à 7 kilos, mais il peut voler avec des proies de son poids, voire légèrement plus lourdes. Il peut facilement emporter même un poids de 7 kilos. Et là, vous allez voir plusieurs photos qui sont authentiques, celles-là, hein. On va voir d'abord une première photo où on voit un aigle qui vole dans le ciel avec un chevreuil. Et on va voir une autre photo qui a été prise en Écosse, un aigle qui vole avec un mouton. Donc, on peut comprendre pourquoi certains ont évoqué cette hypothèse. Mais bon. Cette photo est terrifiante. Non. Ah bah Non, c'est beau. oui, non, c'est la nature, tout à C'est la fait, mais nature. on a l'impression que l'aigle a les yeux rouges et puis on voit cet agneau. Enfin, terrifiante, c'est Ah. peut-être un peu, peut-être un peu excessif dans mes propos, mais elle est prenante, cette photo. On n'a pas envie de Ah. se retrouver à la place de l'agneau, quoi.
Bon, je pense que cette hypothèse ne tient pas la route parce que la petite aurait hurlé, je pense. Si elle avait été emportée dans le ciel, la petite aurait hurlé, elle aurait crié, et puis quelqu'un aurait vu quelque chose. Il y avait comme 60 personnes aux alentours, hein. Bon, je n'y crois pas, mais cette hypothèse valait la peine d'être évoquée. Voilà. Donc maintenant, évoquons la piste criminelle. Donc à l'époque, la police a mené des investigations, hein, dans la forêt. Ils ont interrogé les personnes présentes sur place ce jour-là, une soixantaine de personnes, comme je vous ai dit. Et quelqu'un se souvient avoir vu un homme non identifié marchant dans le secteur. Et cet individu, en fait, il était un peu bizarre parce qu'il avait un sac à dos noir sur les épaules, assez grand peut-être pour cacher une petite fille. Est-ce qu'il n'aurait pas enlevé la petite Yuki? Il l'aurait emportée ensuite dans son sac à dos. Il aurait pu la chloroformer et puis l'endormir comme ça et puis l'emporter. C'est possible, peut-être, peut-être. Pourquoi pas? Parce que, en fait, il y a eu un fait divers assez monstrueux au Japon en 2011. Koko Shimizu, une petite fille de 3 ans, avait disparu sans laisser de traces après être allée aux toilettes dans un supermarché de Kumamoto. Et elle avait disparu. Donc après, les parents avaient alerté la police. Qu'avait fait la police? Ben, ils avaient vérifier les images de vidéosurveillance du supermarché. Ils avaient bien vu la petite fille entrer dans les WC, mais on l'avait jamais vue en ressortir. Donc une disparition très mystérieuse. Petite pensée pour Brian Schaeffer, qui lui était rentré dans un bar et n'avait jamais ressorti de cet endroit. Mais bon, dans le cas de Koko Shimizu, on a finalement obtenu l'explication. En fait, c'est un étudiant de 20 ans qui s'appelle Yoihiro Yamaguchi, qui l'avait tué dans les toilettes. Et il avait quitté les lieux après avoir caché son corps dans un sac à dos. Donc là, vous voyez une image de ce jeune déséquilibré, on va dire, voilà, Psychopathe. psychopathe, Combinaison du qui a mot. été arrêté, et puis qui voilà. Donc tout ça, c'est sourcé. Donc pourquoi pas, pareil, dans le cas de la petite Yuki, hein. Peut-être qu'elle a été prise par quelqu'un qui l'a prise dans le sac à dos. Après, il pouvait peut-être tout simplement s'agir d'un gars qui était venu chercher des pousses de bambou aussi. Hein. On n'en sait rien. Je veux dire, puis les témoins n'ont pas été capables de fournir une description détaillée. Et cet homme n'a jamais donc été identifié, n'a jamais été retrouvé. Ça pouvait être n'importe qui. Hein. Et puis, comme je le disais, le Japon, c'est un pays très sûr. Est-ce qu'un psychopathe aurait pris le risque de prendre cette petite fille à quelques mètres de témoin? Il y a un truc important qu'il faut savoir, c'est que la peine de mort est toujours en vigueur au Japon. Hein. Elle est en vigueur au Japon. Donc, c'est quand même c'est lourd de conséquences, ce genre d'acte. Hein. Donc maintenant, on va récapituler. Alors, Yuki Onishi, rappelez-vous de ces éléments. Elle a disparu dans une forêt de montagne. Donc, sachant que sa piste olfactive s'est brutalement arrêtée dans les bois, cela implique qu'elle a peut-être été arrachée du sol, comme je vous disais. Donc, ceux qui connaissent un peu mon travail ne seront pas surpris, mais moi je vais quand même évoquer une piste, une théorie alternative qui est en lien avec le folklore japonais. Parce qu'au Japon, dans les légendes nippones, il est souvent question du yokai. C'est-à-dire, c'est un terme qui regroupe les monstres, les démons, les fantômes, les esprits malfaisants. Et moi, je m'intéresse en particulier au Tengu. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, à l'origine, les Tengu, ce sont des esprits de la religion Shinto. Ce sont des adversaires du bouddhisme. Et certains de ces esprits sont bons, mais la majorité sont malfaisants. Ils peuvent prendre plusieurs formes en fait. Il existe plusieurs types de Tengu. Alors certains sont souvent représentés avec un visage rouge et un long nez. Ceux-là sont très très connus, on les voit très souvent, sous la forme de masques, sous la forme de statues. Voilà. Mais il y a d'autres Tengu, et ceux-là m'intéressent plus. Ce sont des Tengu ailés avec un bec. Ce sont des créatures qui sont démoniaques, hein, qui sont moitié homme, moitié oiseau, et qui sont dotées de pouvoirs magiques. Et ces créatures, selon la légende, vivraient dans les forêts et dans les montagnes. Donc les Tengu, en fait, ils appartiennent à ce qu'on appelle le petit peuple.
Petit peuple qu'on retrouve partout sur la planète. Voilà. En Bretagne, on a les Korrigans, par exemple. Et il y en a partout, dans toutes les cultures. Et donc les Tung, les Tengu, eux, ils sont bien entendu aussi dotés de pouvoirs magiques. Ils ont notamment la capacité de changer de forme, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des shifters. Ça, c'est assez au courant aussi chez ces créatures. On retrouve ça souvent dans, chez beaucoup d'entités surnaturelles, comme le djinn, par exemple. Enfin, les djinns, ce sont des entités surnaturelles qu'on retrouve dans le Coran. Et donc les djinns, c'est pareil, ils peuvent prendre l'apparence, ils pourraient prendre l'apparence d'un arbre, d'un animal, comme un serpent, mais aussi d'un homme. On voit dans d'autres cultures, c'est pareil. Chez les Indiens, on avait le skinwalker aussi, tu sais. On trouve ça partout. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que les Tengu, apparemment, ils prennent souvent l'apparence d'un très vieil homme. Apparemment, autrefois, on racontait que les Tengu, ils enlevaient les moines bouddhistes dans les temples et ils kidnappaient aussi et surtout les enfants. C'est pour ça que moi, je ne peux pas m'empêcher d'y penser dans le cas présent. Voilà. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé des vieux récits oraux. Enfin, pas si vieux, hein, parce que l'un d'eux remontait au début du XXe siècle, 1909. En fait, c'est un jeune homme qui vivait c'est un ado qui vivait dans un village. Et quand il avait disparu, cet enfant avait disparu, et en fait, on l'avait retrouvé un peu plus tard, sain et sauf, dans le grenier, sous le toit de sa maison. Et l'enfant, enfin, il était dans un état de transe, il était une espèce d'état de conscience modifié. Et quand il a retrouvé tous ses esprits, en fait, il a raconté qu'avant de disparaître, il avait rencontré un vieil homme. Un vieil homme qui l'avait pris avec lui et qui l'avait emmené dans un voyage extraordinaire dans le ciel. Ils s'étaient envolés ensemble. Ils avaient volé, en fait, au-dessus, dans le ciel, même jusqu'au-dessus de la Grande Muraille de Chine. Ils avaient fait un voyage extraordinaire. Et ils étaient même allés jusqu'à la Lune. Selon les dires du jeune homme, bien sûr. Là où c'est intéressant, c'est que moi j'ai trouvé au moins trois histoires comme ça, qui sont sourcées, très référencées. Attention, ce sont des écrits très anciens, c'est vraiment, c'est pas des bêtises qu'on trouve sur Internet, c'est vraiment c'est issu de recherches, tu vois, d'historiens, de spécialistes de l'histoire du Japon. Oui, c'est pas une Hein. petite Ouais. fake news balancée sur la toile. Exactement. Et ces histoires, elles se passent toujours de la même façon. C'est qu'en fait, c'est ça, c'est un enfant ou un adolescent qui rencontre un vieil homme. Il fait avec lui un voyage extraordinaire, incroyable. Il vole souvent dans le ciel. Et on le retrouve sous la toiture de sa maison, dans son grenier, en hauteur, donc dans des endroits inaccessibles. Et il revient en transe. Donc c'est assez étrange. Et apparemment, à l'époque, même si les gens ne le disaient pas ouvertement, beaucoup pensaient qu'ils avaient tous ces enfants avaient eu affaire à un Tengu. Parce que ces esprits démoniaques prenaient souvent l'apparence d'un vieil homme. Et on retrouve beaucoup de représentations de Tengu sous forme de statues, dans l'art ancien, les musées, dans les lieux anciens, voilà, dans les temples. Alors je pense que je lis dans les pensées de certains spectateurs qui vont nous dire que ces enfants et adolescents ont possiblement rencontré des vieux pervers qui les ont drogués. Ils auraient fait ingérer des drogues hallucinogènes, par exemple. D'accord, pourquoi pas. Mais le petit problème, c'est que tous ces enfants ont été retrouvés dans des greniers. Sous la toiture de leur propre maison. Donc ça suggère quand même, en hauteur souvent, ça suggère un transport par voie aérienne quand même. En tout cas, moi quand je dis toutes ces histoires, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec l'ufologie hein, quand même. Ouais, Tu forcément. sais, Les ça fait beaucoup abductions. penser. Bah ouais, c'est ça. Ça fait penser quand même au récit de personnes qui sont prétendument abductées quoi, par des extraterrestres. C'est la même chose. Hein. D'ailleurs, voilà. Il y aurait un Jacques Vallée, l'ufologue. Qu'on adore tous, il a fait ce lien entre le folklore et puis l'ufologie, hein, c'est vrai. Et là, c'est un exemple qui est vraiment criant, et c'est un exemple qui provient du Japon, tu vois. Comme quoi, on trouve ces exemples partout dans le monde. Voilà. En tout cas, des ovnis sont observés régulièrement aussi au Japon, comme partout. Donc des objets volants non identifiés. Attention, faut rappeler ce que c'est. Oui. Ça n'équivaut pas forcément extraterrestre, hein. Ce sont Non des identifié objets veut qu'on. dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà, attention, encore une fois, faut le rappeler toujours.
Et donc là, vous allez voir une photo qui a été prise en 2010 au-dessus du mont Fuji. C'est un objet volant non identifié qui est devenu à moitié transparent, pardon, avant de disparaître. Voilà. Donc, et puis, bah, comme tu disais, tu parlais de Fukushima tout à l'heure, lorsque la centrale de Fukushima a explosé, on a relevé des lueurs étranges dans le ciel. Il y a eu des objets aussi qui ont été observés, comme c'est souvent le cas lors des catastrophes nucléaires. Voilà, il y en avait eu aussi, on en aurait vu aussi à Tchernobyl. Voilà, je referme la petite page ufologique. Il fallait le préciser. Ouais. Donc, pour en revenir à Yuki Onishi, cette petite fille n'a jamais été revue à ce jour. Est-ce qu'elle a été enlevée par un pédophile? Est-ce qu'elle a été abductée par une forme d'intelligence non humaine, d'origine paranormale ou extraterrestre? Personne ne le sait. En tout cas, c'est l'une des disparitions les plus énigmatiques et les plus célèbres au Japon. Voilà. Très étrange en tout cas comme disparition. Ouais. Et encore plus Ça va? perturbant quand c'est un enfant qui est concerné. Ah ouais. C'est révoltant. C'est inacceptable. Bon, ça va, pas trop fatigué Écoute, non, en pleine forme, collé à tes Est-ce que... lèvres, j'ai envie de dire, on suit ça attentivement et je vois que les Nuréens sont tous très... Alors beaucoup de commentaires. Il y a Florent qui nous dit, c'est vrai que Lionel trouve toujours des photos et images d'illustrations top. Et mais c'est bien qu'il le précise, Florent, il y a un gros gros travail sur la préparation de ces émissions que tu effectues en amont et tout le fichier image que tu nous mets à disposition pour illustrer le dossier. Et une recherche, alors des fois ce sont des images d'illustration, précisons-le, mais bien souvent tu vas fouiller pour nous trouver les vraies images en rapport avec le dossier, les images de télévision, etc. Ce qui nous permet vraiment et de nous immerger et d'avoir des éléments fiables pour nous faire notre propre avis sur ces dossiers-là. Quand j'en trouve, parce que quand il n'y en a pas, malheureusement, c'est ça. Mais bon, bah, si les spectateurs sont pas trop fatigués, ils veulent peut-être une dernière affaire. Ah ben je pense qu'on va terminer par une dernière affaire. Et ben comme je vous disais tout à l'heure, les deux premières affaires sont mystérieuses. Mais là, bon déjà avec la petite Yuki, on avait passé un palier dans le mystère qui entoure sa disparition. Et là, l'histoire qui va suivre, on va rajouter un petit peu d'angoisse à tout ça. Un petit Avant peu. d'aller se coucher. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai que la dernière affaire, on n'a pas énormément d'informations sur cette affaire. Puis il faut aussi bien dire qu'il y a la barrière de la langue aussi. C'est pas évident je ne parle pas japonais couramment non plus. Mais c'est pas évident, même sur les sites japonais, on trouve pas beaucoup d'infos, hein. Donc c'est une affaire qui est assez courte, mais qui est assez flippante aussi, c'est vrai, je dois le dire. Donc elle s'est passée en 1996. Le 5 mai 1996. Donc tout a démarré à Imi, une ville située dans la préfecture de Toyama, sur l'île d'Honshu. Alors Imi, c'est une ville côtière, au bord de la mer. Et donc ce dimanche 5 mai 1996, il y a deux copines, qui sont toutes les deux lycéennes au lycée d'Imi, qui passent la journée ensemble. Donc l'identité de ces deux jeunes filles n'a pas été révélée, hein. Par souci de respect de la vie privée, probablement. Mais ce jour-là, en fait, les deux camarades de classe, elles préviennent leurs amis. Elles ont décidé de partir explorer un hôtel thermal abandonné appelé le spa de Tsubono. Et cet hôtel, il est situé à Uozu, à une soixantaine de kilomètres de Imi, environ 1 heure de route. Vous voyez ça sur la carte. Alors pourquoi ces deux jeunes filles veulent visiter cet hôtel désaffecté? Eh bien, tout simplement parce qu'il a la réputation d'être hanté. Savez, ça vous est sûrement arrivé quand vous étiez jeune, je sais pas, entendre parler d'une maison inhabitée près de chez vous, et puis une baraque sur laquelle il y a des rumeurs qui circulent, tu sais. Et t'as envie d'aller voir, parce que Ah ben forcément. voilà. Ben là, c'est pareil, c'est pareil. En fait, aussi, elle compte faire ce qu'on appelle de l'urbex, en fait, c'est ça, c'est de l'exploration urbaine, paranormale, un peu. Je pense qu'elle veut ressentir un peu d'excitation, et puis vivre une aventure, se faire peur, un petit peu. Donc, ce dimanche
5 mai 1996, les deux copines, elles partent en voiture. Elles partent à bord d'une Subaru Vivio de couleur noire, semblable à celle que vous voyez. Voilà. Donc elles partent. Il y en a pour 1 heure de route. Et donc elles roulent sur une route qui serpente dans la montagne, une route, montagne couverte d'une forêt épaisse. Et là, vous voyez les images réelles, du trajet qu'elles ont pris. C'est vraiment la route. Et il y a de la brume. Il y a le paysage qui est assez inquiétant, en fait. C'est un bon décor pour un film d'horreur. Et en fait, l'hôtel abandonné, il est situé dans un coin assez isolé, sauvage. C'est dans les montagnes, un peu. Il n'y a pas trop de gens qui vivent dans le coin. Et il faut savoir qu'à l'époque, les smartphones n'existent pas. Donc elles utilisent des pagers pour communiquer avec leurs amis. Donc ce sont à l'époque, ce sont des appareils en fait sans fil qui permettent d'envoyer des messages instantanés comme ça, en temps réel. C'est un peu l'ancêtre, voilà, du smartphone. Et à un moment donné, les deux jeunes filles, elles envoient un message indiquant qu'elles sont bien arrivées au spa de Tsubono. Donc là, vous allez voir où c'est exactement sur la carte. Donc, vous voyez, c'est dans les montagnes, c'est quand même à l'écart des villages, il n'y a pas grand monde qui vit dans le coin. Et donc là, elles s'arrêtent, les deux jeunes filles s'arrêtent en voiture près de l'hôtel thermal que vous allez découvrir. Voilà. L'image de cet endroit, cet endroit assez lugubre, qui est un bâtiment dans un état de délabrement avancé. Donc le site, il est considéré assez dangereux. Hein. Il est interdit au public. Et c'est vrai que quand vous allez voir les photos prises à l'intérieur, on comprend pourquoi. Ça donne un peu une idée de l'ambiance aussi. C'est complètement désaffecté, quoi. Tout est délabré. En tout cas, on est certain que les deux jeunes ont atteint l'endroit parce que des témoins les ont vus. Mais bon, le problème, c'est qu'à partir de là, c'est le silence radio total. Elles n'envoient plus de messages à leurs proches. C'est terminé. Plus de nouvelles. Et là, la nuit tombe. La nuit tombe, dimanche soir. Et vu que elles ne donnent plus de nouvelles et puis qu'elles ne reviennent pas, les deux jeunes filles ne reviennent pas de la nuit, hein, chez elles. Les familles préviennent la police. Et le lundi matin, le lendemain, les policiers interviennent. Et ils interviennent sur place et ils émettent un avis de recherche concernant les lycéennes. Et des agents de police partent en urgence sur place, à l'hôtel. Et bien entendu, ils vont bloquer toute la zone et puis ils vont inspecter le bâtiment de fond en comble. Ils vont, bien sûr, les filles sont introuvables, elles ne sont pas dans le bâtiment, elles ne sont pas dans les sous-sols. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que leur voiture, la Subaru Vivio noire, n'est plus là. Elle n'est plus là, elle a disparu. Donc, étant donné que les lycéennes ne sont pas dans le bâtiment, eh bien, la police cherche à les localiser dans la forêt, aux alentours. Ils se disent peut-être qu'elles sont parties dans les bois. Donc la police vont fouiller la forêt. C'est un endroit qui est quand même assez sauvage. Le terrain est escarpé, mais ça ne donnera rien. Les deux adolescentes et leur voiture se sont volatilisées. Et vu que leur voiture n'est plus là, les policiers théorisent que peut-être que les filles sont reparties de l'hôtel. Hein. Qu'elles ont visité, qu'elles sont reparties, et qu'elles ont possiblement eu un accident en repartant. Peut-être qu'elles ont perdu le contrôle de leur véhicule, qui serait tombé dans un ravin ou une rivière. Donc, par acquis de conscience, les policiers, ils vont vérifier tous les lieux potentiels où ils auraient pu faire une sortie de route entre la ville Imi et l'hôtel, enfin sur le chemin du retour. Ils vont refaire le parcours avec un hélicoptère. Il y a une équipe d'alpinistes qui va descendre dans certains endroits inaccessibles où la voiture aurait pu tomber. Seulement, tous ces efforts seront inutiles. On ne retrouvera jamais la Subaru Vivio noire et encore moins ses occupantes. Les fouilles intensives dans toute la région n'ont jamais révélé aucun résultat. Plus de 20 ans après les faits, on ignore toujours ce qu'il est advenu de ces deux lycéennes. Elles ont disparu sans laisser la moindre trace et on n'a jamais su ce qui leur était arrivé. Et elles se sont vraiment volatilisées, quoi. Elles sont devenues des fantômes, je sais pas si j'ai envie de dire. Et c'est un véritable mystère. Mais on n'a aucune explication. C'est ça qui est terrifiant, qui est fascinant.
Elles ont disparu de la face de la Terre, comme ça. C'est ça, rayé de notre réalité. Alors, les commentaires, on va faire quelques commentaires maintenant. C'est vrai que cette histoire ressemble beaucoup à une légende urbaine, mais j'ai vérifié et deux jeunes filles ont effectivement disparu le 5 mai 1996 à Ouezou. Donc ça n'est pas une légende, hein, c'est véridique. Hein. J'ai trouvé un article de presse du journal du Nord Japon en date du 3 mars 2000, donc qui explique bien. Vous voyez la photo de cet article, avec la photo aussi de l'hôtel. Et voilà, le problème c'est que personne n'a trouvé la clé du mystère. Donc, que sont devenues ces deux lycéennes? On va étudier les différentes pistes. D'abord la piste accidentelle, bien sûr, parce que quand on disparaît dans un endroit comme ça, complètement délabré, notre premier réflexe est de se dire qu'elles ont pu mourir accidentellement dans le sous-sol du bâtiment. Ça peut être dangereux de circuler dans ces structures, ça peut s'écrouler. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé leur corps, on n'a rien trouvé. Pareil pour l'accident de la route, toute la région était passée au peigne fin, on n'a rien trouvé. Donc l'accident paraît assez peu probable. Alors, la piste de la disparition volontaire, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Il faut évoquer un phénomène assez méconnu. Enfin, s'il commence à être connu maintenant en France, parce qu'il y a une journaliste qui a fait un article sur le sujet, il y a un phénomène d'ampleur au Japon. 80 000 à 100 000 personnes disparaissent volontairement chaque année au Japon. On appelle ce phénomène Joatsu, ce qui signifie les évaporés. C'est un phénomène de disparition de masse. Et encore une fois, c'est culturel, l'explication. Souvent, ce sont des gens endettés, ou c'est aussi pour une question d'honneur, tu vois. Les gens qui perdent leur travail, qui perdent leur statut social. Parce que perdre la face au Japon, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Et c'est vrai que c'est quand même assez facile. Ça doit être assez facile de disparaître, de se fondre dans la masse, dans une mégalopole telle que Tokyo, par exemple. Pour une image. Tu sais, l'agglomération de Tokyo a fait 42 millions d'habitants. En gros, ça fait presque 4 fois la région parisienne, qui fait 12 millions d'habitants, la région parisienne. Ah oui, ça donne une idée. Donc, je pense que ça ne doit pas être trop compliqué de passer incognito, mais si tu veux redémarrer ta vie. En tout cas, c'est un phénomène qui est assez courant là-bas, assez courant. 100 000 personnes, tu vois. En France, voilà, c'était 40 000, je disais. Enfin, on en retrouvait 10 000. Voilà. Donc, la piste qu'il faut. Je tenais à évoquer cette piste de disparition volontaire, même si je pense qu'elle n'est pas du tout plausible ici, mais bon, il fallait l'évoquer. La piste criminelle, intéressante aussi, parce que là, il faut savoir qu'à l'époque, le spa abandonné de Tsubono, c'était un lieu de rencontre pour un gang de motards. Et les gangs de motards, ils posent des problèmes au Japon. On les appelle les Bozo Zoku. Et ils sont jugés assez dangereux apparemment là-bas. Et il y a un article de presse qui a indiqué que cet hôtel c'était un lieu de rassemblement pour les motards le week-end. Donc est-ce qu'elles n'ont pas fait une mauvaise rencontre là-bas? Elles ont aussi pu faire rencontre avec un marginal, par exemple. Parce qu'il y avait quand même pas mal de marginaux aussi, de jeunes fugueurs qui traînaient dans cet ancien hôtel. Donc la police a enquêté, ils ont vérifié ces pistes, mais bon, ça n'a rien donné. L'enquête n'a rien donné. Donc maintenant, pour être tout à fait complet avec le dossier, je me dois quand même d'avancer la piste paranormale, parce que ce bâtiment était considéré comme hanté. Il ne faut pas l'oublier au départ. C'est pour cette raison que les deux lycéennes avaient décidé de l'explorer. Hein. C'était l'objet de leur voyage. Donc, est-ce qu'elle aurait finalement, elle n'aurait pas été victime d'un phénomène paranormal? Un phénomène inexpliqué? Est-ce qu'elle n'aurait pas eu affaire à un fantôme? Je ne sais pas, moi. À une force maléfique, quelque chose, à une entité surnaturelle. Parce que apparemment, c'est vrai qu'une grande majorité de Japonais croient réellement aux esprits, aux fantômes. C'est pas une blague. Hein. Ils sont assez superstitieux. Comme j'ai dit au début de l'émission, le Japon c'est un pays à la fois moderne et attaché à ses traditions. Et l'influence du shintoïsme, le bouddhisme et des croyances anciennes, l'influence de toutes ces légendes, ces croyances reste très forte. Et pour moi, cette affaire du 17, cette histoire de disparition, ça me fait beaucoup penser à scène de film, hein, film d'horreur d'ailleurs. Parce que je pense que les connaisseurs ont sûrement reconnu l'image d'illustration précédente. C'est vrai que c'est une image qui est tirée du film Ringu,
le film japonais, hein, ce qui avait Ouais, fait l'objet d'un remake. un film qui est absolument terrifiant. Pourtant, je ne suis Ah ouais. pas ce qu'on peut appeler une chochotte sur les films d'horreur, mais Ah ouais. celui-là, il m'a marqué. Ouais. Ah ouais. Ah moi c'est pareil. Sans bonté, j'ai rarement eu peur au cinéma, mais c'est le seul film qui m'a terrifié. On est Moi je d'accord. l'avais vu en version originale, en plus, dans un film, dans une salle d'art essai. Et je me suis accroché aux accoudoirs. Je conseille, je conseille, je conseille aux spectateurs. Si vous n'avez jamais eu peur, regardez ce film, qui est vraiment une pure réussite. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce film? C'est pas totalement gratuit, c'est parce que, rappelez-vous, au début du film Ring, ce sont deux lycéennes japonaises. Deux lycéennes. Elles sont seules chez elles. Il est tard le soir. Et elles veulent s'amuser à se faire peur. Et elles commencent à parler d'une rumeur étrange qui circule au lycée. Elles se racontent une légende urbaine. C'est un peu comme notre histoire d'hôtel thermal hanté, en fait. Hein. C'est pas si. Alors, ce qui est intéressant aussi au sujet de Ring, c'est que c'est idéologique, enfin l'original, j'ai envie de dire. Il l'a sorti en 98 et c'était le réalisateur c'est Hideo Nakata. Et hasard ou coïncidence, c'est aussi l'auteur du film Darkwater, dont on avait parlé dans l'émission sur Elisa Lam. Ouais, une histoire hallucinante et particulièrement troublante. Donc on boucle la boucle, voilà. Donc voilà, donc c'était cette affaire. Je vous laisse vous forger votre propre opinion. En tout cas, cette affaire est quand même assez troublante, assez inquiétante. Et c'est une histoire vraie et qui n'a pas été encore élucidée à l'heure actuelle. Réfléchissez-y cette nuit. Ou demain pour alors, laissez la nuit Tranquillement, porter tranquille. conseil. Non, non. Voilà, bah écoute, autrement, pour finir, on arrive à la fin de l'émission. Déjà, Ça n'a pas recoupé, hein, ça n'a pas recoupé. on Je en suis veut content. encore? C'est pas tout à fait fini parce que, avant de finir, je voudrais quand même avoir une pensée pour toutes ces personnes disparues, mais aussi pour Tiphaine Véron. Tu sais, c'est une Française de 37 ans, originaire de Poitiers. Elle a disparu le 29 juillet 2018 à Nikko, une cité très touristique au nord-est du Japon, pas si loin de Tokyo. Et cette affaire a été énormément médiatisée l'an dernier, enfin, elle est toujours. Et ça fait maintenant plus d'un an que cette jeune femme a disparu et n'a pas été retrouvée. Une affaire assez mystérieuse. J'en ai pas parlé avant dans l'émission parce que je voulais me concentrer sur des affaires inconnues en France et qui concernent des citoyens japonais. Mais bon. En résumé, en fait, Tiphaine Véron, ce jour-là, elle était partie se promener dans la nature. Donc, elle a disparu dans la nature, vraisemblablement. On ignore ce qu'il est advenu d'elle. Cette affaire elle a été et reste très médiatisée. Apparemment, l'enquête est toujours en cours. La famille continue de la chercher aussi. Il y a eu l'avis de recherche qui était très très diffusée en fait l'an dernier, qu'il est encore. Et cette affaire, elle a fait l'objet d'une médiatisation incroyable. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu une telle mobilisation sur les réseaux sociaux. Pour ça, on peut tirer notre chapeau à la famille. Hein. Ils font un boulot incroyable. Il y a une page Facebook, là, Unie pour Tiphaine Véron. 3 000 likes. Et la famille a même été reçue à l'Élysée. Enfin, donc ils ont vraiment fait tout ce qu'il était possible de faire. Mais bon, force est de constater qu'on n'a toujours pas le début d'une réponse. Pas le début d'une piste. Donc moi je voudrais leur souhaiter bon courage. J'espère une issue heureuse à cette histoire, même si bon malheureusement je ne suis pas très optimiste, je dois le dire. Mais parce qu'en plus elle avait des problèmes de santé, je crois qu'elle était épileptique. Mais bon, c'est pas normal qu'on l'ait pas retrouvée, parce que c'est pareil, quoi. Ils ont fouillé partout là-bas. Ils ont fouillé la région, elle était partie faire une randonnée, ils ont fouillé les étangs, parce que la police avait théorisé qu'elle était peut-être tombée, elle était peut-être tombée dans un étang, non, pas, tombée dans une rivière, pardon. Mais le problème, c'est ils ont fouillé les rivières de fond en comble, ils n'ont rien trouvé. Donc ça tient pas la route. Donc, en tout cas, moi, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est ça, c'est d'obtenir la vérité dans cette histoire. C'est la vérité. C'est le minimum qu'on puisse demander. Moi, j'ai pas prévu dans l'immédiat de faire une émission sur cette affaire, qui était énormément couverte par les médias, mais bon, après, si la famille le souhaite, pourquoi pas un jour, je sais pas. Hein. Pour en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi.
moi je connais déjà le sujet de ma prochaine émission déjà. Je le garde pour moi, je le garde secret. Je ne vais pas me le faire piquer. Mais ça va envoyer du lourd, voilà. J'ai très hâte de revenir. Ben, nous avons voilà. hâte de te retrouver. Il y a Florent qui nous dit ce qui est non, c'est pas Florent, c'est Petit Joe qui nous dit Camille, c'est notre cam et quand il est pas là, il nous manque et quand il est là, c'est trop court. Reviens-nous vite avant qu'on fasse des bêtises. Effectivement, je pense qu'on va vite replanifier une émission, mais je rappelle qu'il y a tout un travail de préparation derrière qui prend énormément de temps. Et je t'en remercie encore, et qu'on ne peut pas faire non plus une émission, même tous les mois, c'est compliqué, vu le travail que ça demande. Je rebondis rapidement sur le petit hommage que tu as fait pour Tiphaine Véron. Ça nous permet de nous rappeler aussi, parce que là, ce soir, on a vu des dossiers qui se passent au Japon. Et quand on parle de disparition d'autres cultures, de gens qui ne nous ressemblent peut-être pas forcément, c'est facilement moins touchant. On se sent moins en patte à penser à ces personnes et à leur famille. Et finir sur Tiphaine Véron, qui est un cas assez récent de disparition, nous rappelle, encore une fois, même si de temps en temps, durant ces émissions, il y a un peu d'humour, etc., parce que, quoi qu'il arrive, la vie continue. Mais ça nous rappelle, avant tout, que derrière ces disparitions, il y avait des personnes, que ce soit des enfants, on en a vu plusieurs ce soir, ou des adultes, et puis qui a leur famille avec, et comme tu disais, souvent des familles qui non seulement ont perdu quelqu'un, mais ne savent pas comment, et dans quelles conditions, et dans quelles circonstances, et c'est peut-être ça qui est encore plus dur à gérer. Donc c'est important de le préciser, tu l'as dit pour la famille de Tiphaine Véron, et puis pour toutes ces familles nippones qui ont perdu des proches. Et je pense que c'est toujours intéressant de remettre en perspective tout ça et tout le drame qui se découle derrière ces histoires. Je pense que de toute façon, c'est ça, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre nationalité, on est tous des êtres humains et je veux dire, la peine est la même, quoi. C'est-à-dire, et aujourd'hui, le monde est tout petit maintenant. Tu sais, on peut partir très facilement maintenant. Il y a une démocratisation du voyage. Il y a des Japonais qui disparaissent en France, et là il y a des Français qui disparaissent au Japon, et voilà, ce sont des drames terribles à chaque fois. On est bien d'accord. Donc, en tout cas, un grand, grand merci encore, Lionel, pour ton travail, pour cette émission de rentrée qui a tenu les promesses d'une émission de rentrée qu'on promettait au Nuréen. Tiens, je vais prendre quelques commentaires avant la fin de l'émission, si tu veux bien. Il y a une question, il y a Sam Dalila qui te dit « Lionel, à quand une émission aussi longue et prenante que le Dogman ?» Je rappelle que le Dogman, on l'avait étalé sur deux émissions, tellement le dossier était chargé. Et puis c'était, on va dire, une émission hors série, puisque là, on n'était pas sur de la disparition, mais sur un phénomène cryptozo. Donc Lionel, à quand un gros gros dossier qui tienne en haleine notre ami Sam toute la nuit? Je vais faire des émissions plus récentes, je préfère faire des émissions plus régulières et peut-être moins longues. Parce que de toute façon je décide jamais de faire long, ça dépend du sujet aussi, et puis mais je vais revenir. On sait, je suis assez d'accord avec toi, plus d'émissions et peut-être moins longues, à voir. Il y aura des déçus et des heureux. En tout cas, c'est toujours un immense plaisir de t'avoir sur Nuréa, Lionel. Merci, le plaisir est partagé. Hein. Mais je sais, mais ça se sent et c'est un grand plaisir de démarrer cette rentrée à tes côtés. Il y a Florent qui nous dit un grand merci pour cette émission, comme quoi les disparitions, plus qu'énigmatiques, sont mondiales, effectivement. Le mystère et le drame humain n'ont pas de frontières, on l'a vu ce soir, ça se passait du côté du Japon. Et merci infiniment Lionel d'avoir partagé ces histoires avec nous. On se quitte sur une dernière image, comme on a l'habitude de faire, une image que tu mets à la fin de ton fichier visuel, toujours parce qu'il y a une pensée pour ces disparus et pour leur famille. Et donc cette émission, elle est dédiée à la mémoire de tous les disparus qui ont été présentés ce soir dans cette émission Disparition mystérieuse spéciale Japon. Merci beaucoup Lionel, je te dis à très bientôt, et puis les Nuréens, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Au revoir tout le monde. Sayonara.